Salut à tous, Asphax, on se retrouve pour le 15e épisode de l'aventure sur Ark, sur le serveur Arkfaxia. Alors pour cet épisode, je ne serai pas en compagnie de Tantos, tout simplement parce qu'il travaille, mais lundi prochain, donc là quand je tourne on est jeudi, hein, c'est même le jour où je mets la vidéo en ligne, si tout se passe bien, il sera présent et donc on va préparer un petit peu le terrain. Ce que je voudrais, c'est vraiment qu'on arrive à rechoper des créatures marines. On avait bien commencé le concept sur la survie seulement sur l'eau, mais on n'avait pas été jusqu'au bout, c'est-à-dire choper des mosasaures, l'espèce de Kraken, tout ça, et c'est des trucs qu'on pourrait faire bah, vraiment dans ce serveur, puisque c'est un serveur PVE, et on a le temps, donc là ce serait vraiment pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire une petite base en fait aquatique pour pouvoir ensuite placer les dinos aquatiques quand on en aura évidemment. Donc là on va vraiment faire de la construction, pourquoi pas essayer de choper le premier dauphin, le premier mégalodon, ce serait pas mal. On va voir comment se passe l'épisode. Pour la petite info, on m'a offert Asphax7, c'est un abonné qui s'appelle Anna qui me l'a passé, donc franchement merci beaucoup à toi. Donc voilà le petit ours que j'ai pas pu choper la dernière fois. Donc là il est niveau 201, donc là il a, voilà, au niveau du up il est pour l'instant, il n'y a pas de level à prendre en plus. Mais voilà, du coup j'ai enfin mon petit ours qui me permet d'aller très très vite. Et ça c'est super sympa, donc merci beaucoup, c'est super cool. Juste, je regarde avant, on avait commencé à préparer avec Tantos pour faire la forge industrielle, alors je pense pas que j'ai... Tout, je sais pas en fait, je vais regarder, mais je vais déjà mettre du coup dans mon usine en fait tout le métal qu'on a. Ça va nous permettre de comptabiliser un peu ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Là, j'ai pas pu me connecter depuis quelques jours parce que bah, j'ai juste beaucoup travaillé encore à l'hôpital. Et du coup, mince, les Akatina sont morts, je pense, parce que je les trouve plus et on les a pas nourris avec des gâteaux depuis longtemps, donc je pense qu'ils sont morts. Donc, rip petite Akatina. Donc, maintenant pour retrouver du ciment, bah, soit on ira chercher en fait directement dans les nids de castor, c'est vraiment le plus simple parce qu'ils sont vraiment pas loin du tout. Soit sinon, je capturerai une petite Belzébuffo pour essayer de tuer un maximum d'insectes. Ok, je finis tous mes allers-retours et puis on compte combien on a de métal. Ok, du coup pour la forge industrielle, niveau métal on est bien, j'ai pile 11 métal de plus, donc ça c'est cool. Il manquera polymère, il faudra qu'on tue du coup 4 pingouins à peu près, avec, oui je pense que c'est ça, 4 pingouins avec la massue, ça me fait 400 polymères. Les cristaux j'ai ce qu'il faut, j'en ai suffisamment. Des ciments, faudrait que j'en récupère du coup bah, chez les castors, et il me manquera plus que le pétrole. Et là vu qu'on va faire du coup une petite base aquatique, ce sera facile de choper du ciment, donc c'est nickel. Donc ce que je vais faire là pour l'instant, je vais me prendre un petit cryopode. Dans ce cryopode, je vais mettre le Térésinosaure. C'est lui qui va venir avec moi pour pouvoir construire du coup la base aquatique. Alors il est où? Parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Terry, voilà, c'est marqué dessus. Tiens, t'as pris des levels, toi. Tiens, allez, hop, prends-toi un petit peu de. Oh la vache, il en a de la peau. Ok, prends-toi un petit peu de vie et viens avec moi dans la petite Pokéball. Et on va aller s'installer du coup sur l'île au Carnot qui est juste à côté. Ce sera du coup notre base aquatique. Parce que ici, bon, on a une rivière juste devant chez nous, mais c'est un peu. C'est quand même limite, limite. Donc bon, je préfère vraiment aller un petit peu plus loin. Donc ça c'est bon. Oh, quand même avant de partir, je vais attendre un qu'il fasse jour. Deux, je vais me faire cuire plein de viande, histoire d'avoir plus jamais faim, parce que sinon ça risque d'être assez galère. Ok, je pense qu'on est pas mal, donc j'ai avec moi une superbe hache, ça c'est bon, elle est légendaire, j'ai une bonne pioche, je me suis fait 5 murs en verre, ce sera pour la déco, ce sera plus joli, je me suis fait un petit établi, une petite forge au cas où, normalement je vais pas avoir besoin, mais on sait jamais, donc j'ai mon Térésinosaure avec moi, j'ai pris des carottes, et je reprends un petit peu de viande du coup aussi dans mon feu de camp, et je pense qu'on est pas mal, qu'on va pouvoir aller construire tout ça, donc c'est parti, on prend l'argent de Tavis, direction l'île au Carnot, on essaie de se trouver une zone qui n'est pas occupée et qui est pas mal pour pouvoir eh bien établir notre petit camp de base. Ah oui, j'avais oublié sur le passage, j'ai eu un cadeau à Sfax et Tantos, c'est de la part d'Anacle, donc il m'a donné il m'a donné le code PIN enfin par MP, donc c'est cool, merci beaucoup à lui. Oh, c'est trop bien. À l'intérieur, que des armes super. Alors là, fusil à canon lourd. Un canon long légendaire, on a quoi? Celle de Mégalocéros, des haches légendaires, c'est cool. Pioche légendaire, alors la mienne elle donne combien? 151%, donc là j'ai du 177%. Ça c'est quoi? Une selle mythique de mammouth, d'accord. Une selle de basilosaure, il m'a filé un basilosaure niveau 222. C'est trop bien, c'est super sympa. Et bah du coup je vais déjà avoir un basilosaure pour ma petite zone. Donc merci beaucoup Anak, c'est vraiment super sympa. On va tester ça tout de suite. Tiens, il y a du monde ici, non?
Ah non, c'est juste des allosaures, je croyais qu'ils appartenaient à quelqu'un, mais non. Ok, bah franchement, merci beaucoup, Anac. On va tester ça tout de suite. Dès que j'ai ma base, on va sortir le basilosaure de la cryopode et on va tester tout ça. Ok, donc là pour l'instant, le devant de l'île, c'est déjà utilisé apparemment. On va juste voir si c'est pas destructible, si c'est pas quelqu'un d'inactif. Mais il n'y avait pas l'autre coup, donc je pense que c'est nouveau, on va voir. Ça dit quoi? Appartient démolissable dans 11 jours, donc non, c'est quelqu'un d'actif, donc c'est pas la peine. On va essayer d'alors sur ce côté-là. Ben là, c'est pas mal, je pense. En plus, il y a des pierres, tout ça. S'il n'y a rien de construit là, je détruis toutes les pierres ici. Il y a pas mal d'arbres. On est bien. Oh, c'est super, c'est tout plat. Oh, c'est génial, ça va être une zone parfaite. Ok, super. Et ben dans ce cas, hop, Thérésinosaure, go! Que je me suis pas trompé, que j'ai pas lancé le basilosaure, parce qu'alors là, je serais un petit peu mal. Ok, très bien. On va commencer par faire des fondations. Du coup, je vais casser les petits cailloux qu'il y a juste devant. Hop, ça se casse pas. Ça se casse. Voilà. Et pour l'instant, on va faire donc sur le bord de l'eau des petites fondations. Là, j'ai un petit bug. Alors, j'ai pas de branchage et je suis trop lourd, donc on va utiliser le terri qui, de toute façon, récupère aussi plein de bois. Je sais plus s'il récupère des branchages. Il récupère plein de bois, ça c'est certain. Oh, mais il est lourd le coco! Oh, t'es trop lourd mon gros. Alors, attends, on va enlever ça pour l'instant. Vas-y, déplace-toi tranquillement. Vas-y. Alors, une fois qu'il va avoir donné un coup de patoune, il va être largement beaucoup trop lourd parce qu'il récolte tellement de bois qu'il va être plein, c'est sûr. Mais est-ce qu'il ramasse aussi des branchages? Ouais, super. Très bien. Donc, du coup, je vais pouvoir prendre ça. Et là, du coup, je vais pouvoir crafter pas mal de fondations. Combien je peux en faire? 3. Je m'attendais à un petit peu plus. C'est un petit peu radin tout ça. Ok. Et bah, du coup, vu que je suis pas loin, dès que je peux bouger, si je peux bouger, je ramasse un maximum de pierres et puis je fais mes fondas. Ok, voilà, pour l'instant j'ai mes 9 fondas, donc on va pouvoir les placer sur cette petite île paradisiaque. On va les mettre vraiment au bord de l'eau, genre là, comme ça me paraît pas mal. Voilà, alors attention hein, que ça aille pas trop dans l'eau, parce que par exemple, si on met des feux de camp par-dessus, ils vont pas s'allumer, parce qu'ils vont dire wow, on est dans l'eau, on va pas s'allumer. Oh non! Oh, il y a un obstacle, c'est nul ça. Après, je peux changer la maison, c'est pas grave. Je suis pas obligé de faire un carré après tout. Ok, là c'est bon. Là, c'est bon, c'est vraiment une petite base que je veux faire, donc c'est pas grave. Là, c'est bien, et après, on va évidemment entourer de murs. Ok, donc on va se placer pour l'instant ça, hop, et puis mon petit four là. Donc c'est parti, hop, voilà, c'est pas ça du tout, je me trompe de touche. Ok, lui, on va le mettre là par exemple. Ok, hop, nickel, et on va utiliser celui-ci, on va le mettre ici. Parfait, très bien, ok. Et ben maintenant, on fait les petits murs d'abord, hein, on se protège, et ensuite, et ben, on s'occupera de faire les grosses portes béhémotes pour pouvoir et bien entourer toute cette base-là et stocker après le basilosaure qui sera finalement ma première bestiole aquatique, mais aussi après toutes les autres qui devraient arriver. Alors, que je vais faire pour ma base? Pour que ce soit joli, ici une porte plus ou moins au milieu, ok, parce qu'apparemment je suis pas symétrique, mais c'est pas grave. Hop, ensuite ici pour avoir une belle vue sur les dinosaures aquatiques, on met hop trois petites vitres. Ah non, si je suis au milieu, je suis à 4, et bah ok, et bah dans ce cas, hop, tiens, on se fait attaquer, c'est pas bien grave. Ici on va mettre là, ici c'est du 2, et bah alors non, bah ce qu'on va faire c'est qu'ici ce sera quatre petites portes comme ça, ce sera nickel. Ensuite, ici, ça va être comme ça. Je vais mettre tout le monde en mode neutre là pour que le Terry s'occupe du smilodon là, parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. Quoique le Terry, je pense qu'il peut pas bouger, il est tellement lourd le coco avec tout son bois, ça risque d'être un petit peu embêtant. Voilà, ça c'est bon. Wow, saute pas si haut, je sais que tu es très athlétique, mais quand même, hop. Hop, ok, super. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à tout fermer, à faire le petit toit, tout ça, et on va être bien. Je pense que le smilodon est bientôt mort. Ok, super. C'est bon, je passe, nickel, ça rend bien. Ouais, ça va être très très bien. Ça va là-bas? Oui, ça a l'air d'aller. Je vais pas trop t'aider, quoique une petite fléchounette, tiens, elle est tranquillisante en plus. Wow, j'ai raté. Attention. Ok, il est mort, super, très bien, j'ai rien à faire. Alors voilà pour la petite base, là elle est terminée, elle est fermée, donc j'ai mis deux petits lits, deux petites torches, une belle vue sur la mer, tout ça, enfin voilà, ça c'est vraiment très cool. Et maintenant il va falloir farmer à fond pour mettre eh bien les gros murs tout autour.
Ok, donc là c'est parti pour le farm et les allers-retours. Donc là, vu que j'ai mon Térésinosaure, on va déjà commencer par le bois. Voilà, je vais pas me mettre à fond. Voilà, ça c'est bien. Et pour l'instant, voilà, je fais que des allers-retours. Je mets tout dans mon atelier. Et quand on a moyen de faire plusieurs portes behemoth, eh bien, on les fait. Mais voilà, là pour l'instant, il faut déjà blinder tout ça, histoire d'être tranquille. Et puis je vide un max aussi mon inventaire, histoire d'être assez léger et de pouvoir limiter mon nombre d'allers-retours. Ok, bah, je pense qu'on se retrouve dans une quinzaine de minutes après, le temps que je puisse faire, allez, au moins 5 ou 6 behemoths, je pense que ça va être un truc de ce genre. Donc il va me falloir à peu près 6 000 pierres, 6 000 bois, 6 000 tout en fait. J'interromps 2 secondes mon farm, il y a un rayon rouge qui est tombé juste à côté. Donc ça c'est vraiment très bien. Rayon rouge, hein, on peut avoir des trucs géniaux. Hein. On peut avoir, si on a vraiment de la chance, un super bazooka ou un truc de ce genre. Donc voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Rare pantalon de camouflage ou alors une selle de mégatherium. Allez vas-y, je prends la selle de mégatherium et puis je prends ça. C'est juste pour que personne vienne en se disant ouais, ça se trouve, il y a un truc génial et qu'ils vont être déçus. Donc ok, je récupère ça et je continue le farm. Ok, le farm avance pas mal. Pour gagner un petit peu de temps, j'utilise l'argent de Tavis qui est en fait un atelier sur Patoon. Donc hop, je lui mets tout ça de bois, de branchage, etc. Et là, je peux déjà en faire deux, je pense. Pierre, voilà, deux, ok, nickel. Et puis qu'est-ce qui va me manquer? On va se faire les portes déjà, on va commencer à placer quelques trucs. Il va me manquer bois et pierre. Ok, bah c'est parti, on va faire ça tout de suite. Hop, on va juste approcher. Hop, mon argent de Tavis ici. Donc bois et pierre, donc c'est parti. Pierre. Par contre, il faut que j'aille boire parce que là, hop, mon bonhomme commence à avoir bien bien soif. Ah, ok, celles-ci ne sont pas destructibles. Ok, et un petit peu de bois également. Allez, hop, ça va être très bien. Ok, c'est parti, on place les behemoths, donc on va se laisser quand même un petit peu d'espace, un truc de genre comme ça me paraît pas mal. Ok, ouais, hop, très bien. Ensuite, on va placer la deuxième. On va essayer de faire un truc assez perpendiculaire pour l'instant. Et puis, on rentrera un peu plus dans l'eau, évidemment, un peu plus tard. Donc là, hop, je pense que là, c'est pas mal. Voilà, tac. On va pouvoir mettre du coup les deux portes. Ok, et. Ok, et donc après, ce que je pense, c'est qu'il va m'en falloir, on va remettre après une autre behemoth sur la largeur. Ça nous laissera tout ça de place en plus, et après on reviendra. Je pense que ça devrait le faire. On va voir. Ça devrait être pas trop mal. L'objectif, hein, même si les gens peuvent rentrer forcément parce qu'ils ont des argents de Tavis, tout ça, c'est pas un souci. C'est que moi, mes animaux aquatiques, après, ne puissent pas partir. C'est surtout ça le truc. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ouvrir celle-là. Ce sera mieux. Et du coup, avec ce que j'ai dans mon atelier, est-ce que j'ai moyen d'en faire une autre ou pas? Structure, pierre, il me manque. Oh, juste du branchage. Bah attendez, je vais en récupérer un peu et on va faire ça tout de suite. Ok, mon argent de Tavis arrive au maximum de ses capacités niveau poids. Donc là, on va devoir refaire encore des portes. Et du coup, je dois être à 4 sur les 6 dont j'ai besoin. Donc ça va. Pierre, ok. Et qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer juste 900 de bois. Donc je vais pouvoir très vite en refaire une deuxième. C'est parfait. Je me méfie juste. Hein, je reste un peu à distance du truc jaune. Parce qu'il y a un Raptor Alpha qui le protège. Donc bon. On va pas commencer à se taper des raptors alpha maintenant, c'est pas du tout le but. Donc pour l'instant, mince, je ramasse de la pierre, c'était du bois qu'il me fallait. Et en plus, je suis trop lourd, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Hop, allez hop, on met tout ça dans l'argent de Tavis. Bon, là, c'est le plus dur, hein. C'est sous l'eau, faut que j'arrive à placer mes trucs pour qu'ils soient bien. Et ça risque d'être un peu compliqué. Allez, là, ça me paraît pas si mal, ok. Et ça donne quoi après? Donc là, il faut que je respire un peu. Donc là, ça me donne ça comme place pour mes dinos. C'est pas énorme. Quoique après, du coup, je peux repartir un peu sur le côté comme ça. Du coup, il m'en faudra plus que prévu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mieux vaut qu'ils aient de la place et que je fasse ça qu'une fois que de le refaire tout le temps pour agrandir le machin là. Hop, un truc de genre. C'est pas mal ça comme ça. Et si je mets la porte genre sur celui-ci, ok. Ça donne ça. Je vais juste prendre mon argent de Tavis pour me rendre compte un peu plus de la place que j'ai. Alors je tenterai bien quand même un sprint jusqu'au rayon jaune. Hein. Il n'est pas si loin que ça. Voire il n'est pas loin du tout du tout. Et bon, même s'il y a un petit Raptor Alpha, pour l'instant je le vois pas. Je sais pas où il est. Donc on va voir. Hein. On sait jamais. Un petit cadeau, c'est toujours agréable.
Et qu'est-ce qu'on m'offre? Une selle de mégalosauros commune. Ben non, pas du tout, ça m'intéresse pas du tout, d'accord. Ok, si je me débrouille pas trop mal, normalement c'est bon, j'ai plus qu'une seule porte à poser. Alors faut juste que je me mette sur le toit. Ça va être juste, il va peut-être falloir que je fasse des modifications. Alors attendez, voilà. Parce que regardez, c'est pas mal quand même. Et puis là, après, à la limite, je mets juste des murs ici. Ouais, c'est bien, je pense. Un truc de genre comme ça, voilà. Ensuite, est-ce que je peux faire... Ah oui, j'ai rien sur moi. Du coup, on va faire des portes. Enfin, on va faire... Je me comprends. On va faire des murs. Allez, hop. On va voir ce que ça me propose. Si je fais ceci, une petite fondation en bois pour enclos. Je peux les faire en pierre, je pense. C'est où mes fondas? Fondation en pierre pour enclos, ça doit être ça, ok. Je pense que si j'en fais qu'un seul, ça suffit. Et que si je rajoute quelques murs, ça devrait aller. Allez, trois murs, ça me paraît bien ça. Alors on va voir. C'est de la bidouille, hein. C'est de la bidouille, je suis d'accord. Mais au moins, ça m'évite de me faire un gros mur supplémentaire pour pas grand-chose. Donc là, hop. Et oui, ça va être pas mal. C'est de la grosse bidouillage. Ok, et après, je mets un mur comme ça. Voilà, ok. Bon, je pense que un humain passe ou pas? Oh, un humain passe même pas, super. Ben, je remettrai par contre plein de murs pour que ça aille assez haut. Et puis on va être bien. Bon, allez, viens, petit Argentavis. Il faut quand même qu'on farme pour faire les murs et puis les portes. Et voilà, la petite base est terminée normalement. Donc j'ai toute cette piscine là, du coup, pour mettre mes animaux aquatiques. Donc pour l'instant, c'est pas énorme. Faudra sûrement que j'agrandisse un peu plus tard. Mais là, déjà, on est bien. On va juste fermer la porte tout net, s'il te plaît. Voilà. Et on va déjà ouvrir au basilot. On va aller choper le basilot. Et comme ça, on va déjà voir ce que ça donne niveau place. On va tout de suite se rendre compte si, ah oui, ok, on est nickel. Ou, ah non, on n'est pas du tout nickel, nickel, nickel. Et il faut absolument, du coup, agrandir un peu plus tard. Donc ça, c'est bon, mon basilot. La selle de Basilo, du coup, je l'aurais bien laissé dans mon Argentavis ou dans le Megatherium. Et bah, du coup, c'est dans mince, dans le Terry. Donc, je vais aller vite chercher la selle et on va aller voir ça tout de suite. Allez, en route, on rentre le Terry à la maison et on ouvre le Basilo tout de suite. C'est parti. Elle est jolie cette petite île, j'aime vraiment bien. C'est très coloré, c'est très beau, c'est très vert. C'est parfait, je suis content de ma petite maison qu'il faut que je ferme par contre. Voilà, ici ça c'est bon. Et ok, allez hop, petit Basilo, je te donne de la piscine. Je peux lancer dans l'eau ça? Ouais, hop là, voilà. Bah écoutez, ça prend de la place. Ça prend de la place, ça c'est clair, hein. Ça c'est très très clair. Ok, du coup, oh, la vache! Du pétrole, de l'encre. Ah, trop bien, je savais pas ça. De l'encre de Tutosis. Ah oui, il a tué un Kraken avec ça. Ok, donc 21 000 points de vie et 314 d'attaque. Qu'est-ce que je dois augmenter sur un Basilo? Haha, première fois que j'en ai un vraiment. On va déjà tester son attaque. Si l'attaque est mauvaise, c'est pas la peine d'augmenter son attaque. Enfin, entre guillemets, c'est vraiment pas du coup ce qu'on va chercher. On va peut-être en chercher plutôt un très gros tank. Donc c'est parti. Oh la vache, c'est trop bien. Alors, hop, ouverture des portes. Par contre, la manœuvre risque d'être un peu compliquée. Quoique, non, tiens, j'ai réussi, super. Et on va voir du coup ce qu'on a. Alors, j'ai pas de tenue de plongée, donc il va me falloir évidemment une tenue de plongée assez rapide. L'avantage. Oh, wow, il y a la baleine ici. Ok. Elle, on va pas aller la fight, hein. On va attendre que le mégalodon arrive. L'avantage du Basilo, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il résiste aux attaques de méduses, ce qui va être ça super pratique par contre. Parce que bah, les méduses qui me grillent, c'est vraiment pas pratique. Ça a pas l'air d'être si lent, ça me fait rire, j'aime bien comment il se déplace. Et il tape du 147, si c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ah oui, d'accord, j'ai défoncé le mégalodon. Ok, et ben bah, je le monte à 30 000 points de vie. Oh la vache, bah, je peux le monter à 40 000 points de vie, c'est énorme. Faut aller, je le monte à 50 000 parce que j'ai envie. Voilà, 50 000, et quand j'augmente son attaque, hop, on va le mettre à... 450%, donc il fait du 213. Oh là là, et je tue les araignées, j'ai tout, enfin les araignées, les méduses, j'ai toutes les toxiques, c'est génial! C'est génial, par contre la baleine me fait peur, mais c'est génial. J'ai pas assez mince d'oxygène, hein, évidemment. Mais oh là 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 là, merci beaucoup Anacle pour ça, le Basilo. Il est super, 50 000 points de vie, toutes les toxines. Oh là 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 là, c'est génial. C'est vraiment génial. On va lui laisser du coup prendre sa vie tranquillement. Du coup, il est niveau 277. On va pouvoir aller choper plein de trucs géniaux avec Tantos. Ça va être vraiment parfait. Donc franchement, merci beaucoup.
Je suis super content de ça, donc... Oh là là, petit Basilo, trop bien. Ok, voilà donc pour ce 15e épisode. Alors au final, le prochain épisode, je vais voir avec Tantôt ce qu'il veut faire et ce qu'on va faire, parce qu'on a plein de trucs à faire. On a maintenant plein de trucs aquatiques à capturer, parce qu'on a un Basilo, mais en plus c'est pas nous qui l'avons capturé, c'est un Nacle qui nous l'a filé. C'est à nous maintenant d'en capturer aussi. Alors, des grosses bestioles comme ça, ce serait vraiment génial. Donc va falloir qu'on fasse ça, qu'on capture. Faudra évidemment qu'on agrandisse un peu l'enclos. On voit bien déjà rien qu'un Basilo, ça prend déjà pas mal de place dans la zone. Ok, ça c'est bon. Ensuite, il faut qu'on fasse la forge industrielle. On a assez de métal, il nous faut juste le reste. Il faut qu'on farme tout ça, c'est pareil. Il faut que je voie avec Tantos, mais il faut qu'on le fasse. Et on a toujours le fait, eh bien, de prendre tous les brontosaures et les T-Rex pour aller dans la zone du nord pour pouvoir aller détruire un peu tous les carnots alpha, histoire de gagner un maximum d'XP et pourquoi pas bah, des armes légendaires, ce genre de trucs, ce qui serait vraiment pas mal. Ensuite, alors ça sera plus tard, ce sera pas l'épisode prochain, c'est sûr. Il faut aussi, avec Tantos, qu'on se fasse les meilleures armes possibles. Je suis en train de mourir. Les meilleures armes possibles pour pouvoir aller dans les grottes, commencer à faire et ben vraiment les grosses explorations, les grosses grottes pour avoir les trophées, tout ça, ce serait vraiment nickel. Voilà. Et bien merci à tous d'avoir suivi ce 15e épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Le prochain épisode, je tourne avec Tantos. Merci encore pour tout votre soutien sur cette série. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous suivez la série et ben, si vous voulez pas rater la suite. Merci beaucoup. Salut.